That's a help. Garaga 7999598. Aha. Tu me parles. Tu connais mon ban. Qui essaie donc de me contacter sous ce matricule? Alors, on va réparer le complexe agricole. Et en attendant d'avoir le quelqu'un pour pouvoir faire un complexe des services publics, on va faire générateur, collecteur de pluie, ce genre de conneries. Alors que ton arme, elle peut s'enrayer. Dis pas ça. Ce que je ne savais pas. Ça m'est jamais arrivé encore. Dépensez les médocs pour obtenir de la régène de santé pendant une heure, soigner toutes les blessures et traumatismes de la communauté. Utilise des installations pour fabriquer des kits de secours. Ok, soigner les blessures, d'accord. So what should we build next? Ah, we have room. Fun. On peut faire avec l'annexe médicale non utilisée qui est à côté de la tente médicale, on peut la faire évoluer soit dans une annexe qui va être basée sur les blessures et qui va permettre de faire du coup des kits de soins, des trucs comme ça, et de soigner les blessures de toute la communauté d'un coup. Ou on peut également plutôt la faire évoluer vers une annexe basée sur la peste sanglante qui va soigner la peste de toute la communauté d'un coup, ce genre de choses. D'accord. Rigolol. Ouais. Sachant que la vie et la santé et la peste remontent de toute façon quand c'est passif. Oui. Est-ce que c'est la priorité, tu penses, de monter l'infirmerie? Ah non, je regardais juste ce qu'on peut faire. Ah, ok. Je connaissais pas ce truc-là. Vu que c'est pas l'infirmerie directement, c'est l'annexe à côté. D'accord. Ah, c'est cool. Là, on a un truc de récolteur d'eau et complexe agricole qui est en train d'être fait. Ok. Je mets ensemble les différentes installations qui se font saquer une fois qu'on aura des meilleurs trucs. Quoi. Mais je me dis, je sais pas quand est-ce qu'on aura les meilleurs trucs. Donc en attendant, on va les faire et puis c'est pas grave. Vu qu'on a la chance d'avoir un avant-poste qui nous file des matières premières en plus. Il va plus vite la citrouille, hein. Ouais, hein. C'est une bonne citrouille, c'est. Ouais, oui. De qualité, là. Alors. Je pense qu'on a assez de. On a une base qui tient suffisamment la route et assez de ressources pour faire la quête de mission. Hein. Enfin, la quête de mission, ouais. La quête principale. Ouais, ouais. Je suis chaud. Chercher Ray Santos. Et Ray Santos, c'est pas le sniper là? Donc j'ai le fusil. Ça me dit rien. C'était Aïe Bidule, le sniper. Ah mince, ok. Déçu. Je pensais qu'on allait voir la légende des snipers. La légende. Légendaire. Voilà. L'essence on est un peu short. Attends, je vérifie si j'en ai un dans le coffre. Ouais. Yo. Chaz. Hop. Je vais reprendre un bidon Vitoff. Ok. Évitons les mauvaises surprises. Hop. On est dans le coffre. On est dedans. Allez. We've got zombies around. Stay alert. Ouais, y'a pas besoin de. Un truc particulier quoi. Juste ici, il faudra prendre à droite quoi. Sinon, c'est plutôt straightforward. La
Oh là là, l'excitation, on a une station essence avec des dinosaures, mec. Grave. Ce sera la meilleure station essence. Alors, j'espère qu'on va tomber sur un mec qui pourra nous permettre de faire le truc qui fait de l'eau et de l'électricité, là, et ça va déboîter. Après, on fait 3 tours de snipe. Ah oui, grave, ouais. 3 tours de snipe. J'ai hâte de voir aussi la défense de la base améliorer ce que ça donne. Bah oui, ouais. Passe à droite. Oula, c'est quoi cette merde? Ah, c'est ce qu'il y avait dans la cinématique oui. Le début. Ah, ça va être les nouveaux cœurs de peste améliorés ou genre t'as la peste qui monte tout seul. Oh, dis pas ça. Ah si, je sens bien un truc comme ça. Tu sens ce que je sens? Je crois que c'est une odeur de merde. Désolé, j'ai mangé du chili. Je comprends, c'est bon le chili. Oui. Je sens du véhicule. Nous sommes encerclés. Shit, I don't think anyone's lived in that dump for a long time. Ok, ça arrive derrière. Let's take a look around. If they lived here before, they might have left a clue. Bien joué, mec. Et un peu pont, tout va bien. Tout va mieux. Non, mais j'ai regardé beaucoup de cop shows. Il y a toujours un clou. C'est marrant leurs petits échanges audio. Ouais, hein. Aïe, aïe, je sais pas, comment ça va évoluer, si on va retomber dans le même type de recrutement que ce qu'on avait avant, mais s'ils sont sur un nombre de personnages restreint, peut-être qu'ils vont justement plus pouvoir jouer sur la même. Ah ouais. Message soigneusement imprimé. Vous avez besoin d'aide, vous nous trouverez aux coordonnées indiquées ci-dessous. On a de la place et des ressources pour vous. Souvenez-vous, ensemble, nous sommes plus forts. We're stronger together. That sounds familiar. That's because it's basically the network motto. This note has to be from Ray. I guess it's worth checking out. Come on, kid. Better than nothing. Ouais, quelques pièces d'équipement. J'ai peut-être fait du bruit. Pièces d'équipement, un mini réfrigérateur, stylé. Oh yeah. Des graines, pot d'éthanol. Encore un truc que je peux fouiller, mais. Ah, là-bas. Ça, t'as fait du bruit, mais personne n'a rien. Ah, quelques munitions, ça fait plaisir. Alors, rendez-vous aux coordonnées qu'il y avait sur le message. Elles sont où? Elles sont là-bas, ok. Ah, j'arrive. Mettre 2-3 trucs dans le coffre. Yes. Patac, notamment le mini frigo parce que ça pèse quand même son poids. Hein. Mais oui. Hop. On est dedans. Yep. Ah. Mais lâche le véhicule enfin. Ah ouf. Ouf. Je supportais pas sa présence. Ah, et c'est que ça casse la voiture en fait, ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais. C'est un peu embêtant. C'est embêtant, vous voyez. C'est ah ouais, si tu prends ce chemin là, qui est sur la. L'autre. Ah, je peux rentrer à la base. Ah non, on continue la quête. Allez. Là, tu tournes à gauche lorsqu'il y aura la balise. Super. J'ai jamais aimé ce panneau de toute façon. Ouais, c'est bâtard. Là c'est tout droit. Dans les champs. La cambrousse. Oui. Toujours ce petit doute quand t'as un zombie qui est pas trop loin devant. Est-ce qu'il mérite pas une petite accélération? Juste un chouïa. C'est pas vraiment un effort si c'est du plaisir. Mais oui. Et quel plaisir. Je vais aller Elena parce que
plusieurs zombies. Ah, ouais, j'ai pas vu. Voilà, il y a Shen. Ah bah Elena, elle rigole pas. Oh, il y a de la lumière et tout, c'est trop bien. Nice. Allez, Ray. Bonjour. Bonjour, j'ai dit. Laissez-moi rentrer. Je suis votre allié. Aimez-moi. Raimundo Santos. Call me Ray. Welcome to Trumbull Valley. Lily Writer m'a demandé de te retrouver. Elle se fait un sang d'encre depuis que tu n'aimais plus. Yes, that sounds like Lily. She's a good kid. We've had no radios for a while now. Something fried our system, and we've been trying to fix it ever since. Even our fixes only last for a little while before it shorts out again. We're getting really low on parts. You just need parts? I can help with that. Well, that would be much appreciated, pièces. My friend. J'en ai 5 sur moi. Il y en a dans le coffre, je crois, aussi. Merde, je suis pas. Il y en a, j'en ai 8 de plus, apparemment. J'ai 13 pièces. À jouer, ça. Bah, peut-être qu'avec ce qu'on a dans le coffre, on en a assez, parce que l'objectif facultatif a disparu. On va choper des pièces en plus. Ah. Peut-être que c'est ici le garage rouge. Attends, tiens, je le dépose par terre. Non, le garage rouge c'était à quelques centaines de mètres, il y avait un objectif à part. Tiens, écoutez là. Merci mec. Ça vous est. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coffre? C'est pas ce coffre là. Oh, et les yeux en plus, on les voit de loin là, ça stresse. Hop, ça me fait pile poil 25. Cool. Monsieur Santos, pour vos réparations. Pour la porte. So, did you find the parts we need to fix? Thank you so much. This should get us back on the radio again, at least for a while. I don't want to send. Ça y est, on a réparé une radio nostalgie. Sympa. Akisha. I know this isn't much, but I hope it'll help. Merci petite. Acceptez le sac d'herbe médicinale. Seriously though. Oui. Do you really know Lily Ritter? She's like my hero. She's the reason I'm here. And don't tell anybody, but she's kind of my hero too. Oh, c'est pas qui c'est cette Lily, mais elle est bien. Hey. Excellent. Ah. Mettre le sac. Bon, je peux le garder sur le dos, hein, vu qu'on va à la base. Ouais. Chaque fois, je me trompe de manière. Alors que je suis bien content qu'on ait celle-là et pas l'autre truc décrépit qu'il y avait en face, quoi. Bah oui, grave, hein. C'est un peu plus. Un peu plus mieux quand même, hein. Oui. Bah, tu vois, j'ai moins peur de rentrer dans les zombies avec ce gros truc que avec la petite Twingo, là. Ce sera à droite. Ok. Et après, tu suis le chemin. On sera bon. I didn't know you felt that way about Lily. She gave me a chance when the rest of the world had given up on me. Oh, c'est beau. I take that pretty seriously. Paper. Ça passe.
that it? We come out, fix a radio, and we're done? Something else is going on in this valley. I don't know why, but I'm sure that Santos isn't telling us the whole story. But he's like Lily's friend. Why would he lie to us? Ain't that just the question of the day? Looking at that repair depot gives me an idea. With the right tools, I could turn out some solid weapons. Mystère au pays des zombies. Il se passe des choses. Bah, pas mécontent qu'on ait fait des défenses, hein, la vache. Ah oui. Malik, il y va, là. Il renvoie. À fond la patate. Putain. On a tous envie de le tuer. Ah, c'est parce qu'il s'est snipé au fusil à pompe, c'est pour ça. Pas le plus malin, Malik, hein. C'est bon, il est mort, Malik. Il a pas inventé le pot, t'sais. Après, vu que c'est, ça consomme pas de munitions de faire ça, il nous met l'ambiance, et il fait des zombies, et à partir du moment où ils seront rapprochés, là, et c'est leur fin. Bah oui, tout à fait. Magnifique. On essaie de le défendre comme on peut, Malik. Peut-être lui donner un sniper, quand même, qu'est-ce que t'en penses? Non. D'accord. T'as pas écouté ce que je viens de dire. Oui, je vois. Il m'a dit oui. Non. Et après, il me dit non. Mais si, il les attire après le début, je suis d'accord. Mais. Non, si, oui. Non, mais d'accord, j'ai changé son arme, c'est pas grave. Un petit peu, non. J'aime pas le fun. Voilà. Je n'aime pas le fun. C'est quoi ça? C'est du 762. Est-ce qu'on a du 762? Non. Bah, il fera avec ce qu'il a. Oh, c'est récolteur d'eau, trop bien. Hop. C'est la balle. Voilà, Malik a désormais un AK. Un AK ? Un AK-47. Oh. Du coup, ici ça construit. J'ai pété le jardin maintenant qu'on a le complexe agricole qui est amélioré. Enfin, qui est présent, quoi, il est réparé. Qui nous fait plus de nourriture par jour. Là où la question du jardin reviendra, c'est si on a besoin de médocs, mais vu qu'on a un avant-poste pour les médocs, ça va le faire, pour le moment. Tout. On a une zone de rassemblement qui est en train d'être construite. Qui va permettre d'améliorer les temps de construction. Elle dégagera peut-être après, par la suite, mais en attendant, ça me permettra d'être un peu plus rapide sur la création de la base. Oui. Et après, pour la quête, il faudra qu'on améliore le comptoir de réparation, sachant que je veux aussi faire un générateur. Super. J'ai pas vu le truc... Ah bah oui, hein. J'ai pas vu le truc d'eau. Ah, c'est ça. Oui. Ah oui, en gros, c'est... ça fait de la condensation sur la toile, je crois, et ça permet après de... la récupérer en dessous. Je sais pas si c'est ce système-là, mais j'ai vu une vidéo à un moment donné d'un mec qui a plein de bâches comme des petits filets. Par-dessus, ça récolte. Et avec la rosée du matin, c'est super accumulé. Tu vois qu'il balance juste une petite pierre pour faire trembler les bâches. Et ça arrose toute sa récolte d'un coup. Oh, stylé. Avec une espèce de rosée super dense. C'est super stylé. Mais là, ça a l'air un peu différent parce que ça va directement dans l'espèce de bidon. Cool. Ok. Bon. On reprendra la prochaine fois, mon gars. Ouais, nickel. Prochaine fois, on aura la zone de rassemblement qui est presque finie, donc elle se terminera la prochaine fois. Et on pourra enquiller sur... ça prend combien ? Ah oui. Donc on pourra enquiller sur l'amélioration du comptoir de réparation pour la quête, et derrière sur le générateur aussi, histoire de... Quoi. Ok. Histoire 2, mais vu que c'est que des trucs à deux personnes, il n'y a pas un truc que je peux faire avec une personne. Amélioration. Réserve nourriture, médoc plus 2, fournit d'électricité. Et de la main d'œuvre. Mais on va faire un générateur, donc on s'en fout. Tente.
Dans les réserves, je vais mettre un mini réfrigérateur, comme ça on pourra stocker plus de trucs quand il fonctionnera. Enfin, oui, plus de trucs de base, et encore plus quand on aura l'électricité. Cool. Voilà. Énorme, ça va être incroyable. Très content en tout cas de ce début de nouvelle petite aventure. D'avoir la reprise à zéro, mais en plus en un peu plus hardcore. Et puis pour le moment, j'aime bien les choix qui ont été faits. Le fait qu'on verra comment ça évolue, mais qu'on soit peut-être moins dans la profusion de recrutement. Peut-être que ça viendra. Hein. Et qu'on soit un peu plus dans l'idée d'avoir une base établie. Et après, il y a plein de possibilités dès le début. Du coup, des questions de choix dès le début sur qu'est-ce qu'on construit avant quoi. D'avoir un petit set de personnages restreint au début. Avec peut-être une intrigue qui a l'air un petit peu plus thriller, un petit peu plus ficelée, pour le moment en tout cas. Ouais. Je vois ce que ça donne, mais ça me sauce. Hein. Ouais, c'est cool, ça me tente un peu plus, il y a plus d'histoire, c'est cool, j'aime l'histoire. Bon, mon pépère, je te laisse, je vais manger. J'appelle ma mère en plus. Ça roule mon gars, juste avant, rapidement. Hein, oui. La zone de rassemblement vient d'être terminée. Ah. Tu veux venir la voir? Bah j'ai quitté le jeu déjà. Honteux. Bah tu la verras la fille. Ça marche. Ah mais l'amélioration de l'atelier, ça s'est fait direct. Je suis impressionné. Ah, le générateur, c'est 3 personnes. Bon, bah on verra pour la prochaine fois pour le générateur de toute façon. Ok.